Les meufs, il y a un magnifique centaure assis là en pleine méditation. T'es qui? Je suis Teddy Sanders. J'habitais ici avant. Pourquoi tu boites? Ça va? J'ai couru jusqu'ici, pieds nus. Je viens de loin. Ah. Vous avez l'intention de louer cette baraque? Peut-être bien. Vous voulez faire quoi de tout cet espace? On crée notre sororité en dehors du système pour pouvoir faire tout ce qu'on veut. Oui. Genre faire des fêtes mortelles qui déchirent leur race. Une sororité qui peut s'éclater? Cap à nu. Les fêtes de confrérie vous plaisent pas? On se demande pourquoi, tiens. On a fait des super soirées ici. Macro et PDG et mon chef. Pecno et des champs. Des soirées super sexistes. Le thème à chaque fois, c'est les. Eh ben. Au secours. Je comprends votre situation. Ouais, ouais. Entre nous, la situation, elle est au point mort. Va falloir trouver... Je sais pas, autre chose. Ici, c'est trop cher pour nous. Vous avez combien d'argent, vous trois, réunis? Peut-être un peu plus de 1000 dollars. À condition de rassembler tout ce qu'on a. Et encore, c'est pour toute l'année scolaire. Ce sera votre compte pour démarrer. Vous recrutez, ça vous amène des membres. Elle paye une cotisation et en plus, vous aurez plein de monde pour vous ramener du fric. Et très vite, vous serez une sororité à part entière. Ok? Vous avez le bail? Je comprends rien, pas un seul des trucs que tu viens de nous raconter. La semaine dernière, je dormais dans un lit superposé. Ouais. Je sais pas faire griller un toast. J'en suis incapable. On a 18 ans, on sait ce qu'on veut faire, sauf qu'on a zéro idée de comment le réaliser. J'ai dirigé Delta Psi pendant 4 ans. Je suis l'homme de la situation. Ok. Vous pensez que ça pourrait être un soutien de valeur? Ouais, clairement, un soutien. D'une super grande valeur. C'est vrai? Bon, on n'a plus qu'à fêter ça. Ouais, okay. Allez. Qui veut faire un tour de tyrolienne avec moi? Oh, ouais. Regardez ça, les filles. Nous, on se le faisait carrément en tandem. Attention, Delta Psi. Oh, pas dur, t'as rien? Non, ça va. Allez, c'est bon, c'est bon. Légalement, je ne suis pas responsable. Oh. On apprend. Top. Vous avez appelé mes parents? Oui. Oui. On a appelé tes parents. On les a contactés. Oh, vous avez fait ça. Il n'y a que 30 jours à tenir. Il n'y a que 30 jours à tenir. 30 jours à tenir. Après, plus de compromissures. Après, on vous laisse tranquille. 30 jours, c'est rien. Qu'est-ce qu'on vous demande, les filles? C'est parti. Non. Non. Non, non, non. Non, c'est pas parti du tout. Comment c'est parti? Non, pas du tout. C'est parti. Vous pouvez arrêter. Si on recommencer, on peut arrêter. Oui, arrêtez. On peut arrêter? C'est parti. Bien, les filles, bien. Tu vois que le cercle s'agrandit. C'est une propriété privée. La violation. Hé, hey, Max, je crois que Bess a besoin de crème solaire. Non, elle est très bien comme ça. Lâchez-moi. Non, foutez-moi. Je suis où? Oh non. J'en ai tué une. Je suis bourré dans ta gîte. Mais t'es une grande malade, quoi! Dégagez! Dégagez, les morues! Ça marche pas! Ça les rend encore plus sexy! Hey! Je déteste ça! Sérieux, arrêtez! C'est quoi ce bruit? C'est pas un oiseau? De rire, les filles. D'où il sort le faux sang que vous avez balancé? De notre vagin. C'était du vrai? Ouais, on a eu nos règles presque toutes en même temps, en fait. Vous avez lancé... Mais c'est dégueulasse. Bah... Pourquoi vous avez fait ça? Vous avez franchi la ligne, là. Quoi? Wow, c'est carrément sexiste. C'est super drôle, ce qu'on vient de faire. T'aurais fait « Oh, oh, trop drôle si on avait lancé un paquet de queues. Hey, regardez, on a balancé un paquet de queues sur la fenêtre. » Non, c'est... Un paquet de queues. Ah ouais, j'avoue, c'est drôle. Un
paquet de queue. Pousse-toi. Allez, champion. Oh, oh mais non. Bon. Excuse-moi. Je suis désolé. Je suis désolé. Excuse-moi. Ok. Essayez autre chose. Essayez autre chose. Ça va. Bah, ça va. Tu me l'as bousillé. Ça va pas marcher. Non. Tu peux réessayer? Je crois. C'est ça. C'est ça, notre issue. C'est beaucoup trop. Mais non. Qu'est-ce que tu vas faire? Attends, j'ai pas la clé. Tu peux la démarrer, on enfoncera le mur. Non, je sais pas la démarrer comme ça. Mais je m'y connais un peu. Airbag. Ah, pose-le tout doucement. Parfait. Bon. Si on fait ça correctement, la force de cet airbag devrait nous envoyer direct à travers la bouche d'aération. D'accord. Qu'est-ce qui s'y colle? Je m'y colle. Tant mieux. Je crois pas que je pourrais. Thank you.